a été un petit peu spécial. Hier, c'est une bonne journée. Je suis mal démarré, mais ça allait mieux après. Mais aujourd'hui, je pense que c'était plus le vent. Peut-être à mon avantage, avoir un petit peu des coups d'avance. Puis avec le vent, là, je pense que ça a bien réussi. Là, puis je suis bien contente d'avoir gagné. Diane, c'est Madame Steady souvent. Là, c'est dans le milieu. Puis, tout ça. Puis quand elle manque, elle est chip. Je pense qu'elle travaille beaucoup sur cet aspect-là du jeu. Elle est quand même championne canadienne super senior. Là, fait que, en anglais, tu dirais « she's got game ». Fait que je sais tout le temps que ça va être une compétition. Puis Marlène, c'est une bonne amie. On a fait les équipes du Québec ensemble. Malheureusement, l'année passée, elle s'est blessée, mais ça revient tout le temps. Là, en début de saison, c'est sûr qu'on est tout un peu rouillé, mais on est mieux. Mais j'avais un beau groupe. On est des amis. Dans le senior, ce qui est bien, c'est qu'on a des amitiés de longue date qu'on se connaît. Fait que ça a vraiment été une belle journée. Ça a été un peu vraiment différent en termes de game. Hier, ma frappe de balle était un peu tiède, on peut dire, mais j'étais capable de récupérer puis carrer bien. Mais aujourd'hui, on frappe avec Catherine, on avait une bonne stratégie, je frappais extrêmement bien la balle. Mais on n'a pas été capable de produire, mais on a été capable de jouer assez bien pour gagner le tournoi. Mais dans ces conditions-là, c'était difficile. Et des fois, il fallait frapper des shots parfaits parce que les pins étaient vraiment dans des positions difficiles. Donc, là, il fallait des shots parfaits. Des fois, on les avait pas. On les essayait. Donc, non, on est content du résultat. Les deux derniers jours, j'ai joué avec une de mes bonnes amies, Sacha. Fait que pour moi, c'était vraiment le fun. Je me sentais pas vraiment en tournoi avec eux. Une game comme les autres, c'était vraiment le fun. On a beaucoup ri, puis c'est ça le but à la fin. Le tournoi, la Coupe Davis Savoie-Montréal, pour moi, me touche beaucoup au cœur parce que c'est ma façon de redonner à les femmes qui compétitionnent. Mon objectif, c'est d'avoir les femmes qui compétitionnent venir jouer, mais aussi d'avoir des dames qui ne compétitionnent pas de venir participer. Alors, c'est ça qui est important de dire, même si t'es pas une grande amateur, de vouloir te mettre dans une situation de haute performance, mais viens participer. Comme on dit, sortez golfer. Alors, j'adore ce tournoi-là. Je revois beaucoup de golfeuses que je jouais avec et je compétitionnais avec quand j'étais amateur. C'est comme un retrouvail. Les filles, année après année, ils reviennent, sont contents de se revoir. Alors, c'est beaucoup plus qu'un championnat. C'est, comme on dit, excuse l'anglicisme, mais c'est un get-together. Et c'est un get-together de fraternité. Alors, c'est un tournoi qui me tient beaucoup à cœur. Puis, je remercie Golf Québec de me permettre, année après année, d'être associée avec eux pour l'organisation de ce tournoi.